Pacifique. Alors, ambiance vraiment. Et moi-même, j'en ai un pas médicultrice parce que c'est pas ça. Bien entendu, je dis à cette dernière émission millénial pour saison. Hein. Nous allons retourner en janvier, mais en attendant, nous prenons une petite pause pour fin d'année. Il y a deux superbes invités avec moi à Souéa. Alan B. Augustin, Charlie Sean. Vous voulez qu'on qui est sur vous? Rien branché, je vais tourner tout de suite. Merci parce qu'on toujours branché millénial. Nous disons déjà dans l'introduction, hein, c'est le dernier show pour saison 1. Même vous voulez quitter nous justement avec un bon souvenir de millénial pour tirer sa année en attendant que nous recommençons. Nous disons, nous invité nous à Souéa, relé Alan B. Augustin. Vous connaissez qui est lié? Nous connaissons qui est lié? Alan B. Augustin. Est-ce que nous avons dit nous en bagaille? Non? Eh bien, je vais relé le vini sous podium non, parce que nous allons faire un bel petit palais à Souéa, à Alan B. Chita, qui joue? Eh bien, nous là. Nous là, nous avons aimé. Tout petit, je suis content. Oui, qu'on l'a souhaité. Eh bien, moi, c'est un plaisir pour moi hein, pour participer à une émission comme ça. Vraiment? Je suis passé une belle émission. Gain. Nous t'entendez? Est-ce que nous sommes d'accord? Et surtout, non, c'est pour moi-même son bel travail de transmission, son bel travail ouais, de découverte. Et puis. Pour gain de jeunes qui gardent des missions sans pile et qui besoin en fait de modèles peut-être pour eux-mêmes qui sont capables d'inspirer. Donc en fait c'est pour ça que je suis plus accepté de venir dans l'émission aujourd'hui. Wow. Ah, qui sont honneur pour moi. Hein. Sont honneur pour moi. Oh. Allez, vite, vous ne pas comprendre, non? Télépacifique et c'est une mission milléniale. C'est essayer ouais, comment jeunes sont capables de créer des conversations. Parce que, au monde temps pour Alan B, avec l'autre invité que nous avons là dans le show, c'est des gens qui font des travails extraordinaires, mais des fois, jeunes ne sont pas exposés à eux. Donc, le Télévision Pacifique dit Jana, pas un problème, n'a mettez millénial sous pied. C'était vraiment. On va extraordinaire. Oui. Et vraiment, encore une fois, content qu'on là. Parlez-nous de Alan B. Augustin. Qui est-ce lié? Alors, ce n'est pas difficile. Lui, là, on a besoin de parler de tête. Je parie mes questions, ça. Je parie même, mais bon. Posez. Non, en fait, non, c'est simple. Alan B. Augustin, c'est un spécialiste en management des organisations culturelles. Son opérateur culturel, donc moi travaille en pile dans la culture ici dans le pays d'Haïti. Ça fait au moins 12 ans. Ça n'a pas fait que me paraît parce que je commence jeune. Pas de mes amis. Est-ce que 12 ans pas en pile temps? Est-ce que nous pas d'accord? Bon, pas de temps, moi-même. Ok? Alors c'est très intéressant. Donc, et pendant 12 ans, ça y est, je commence à travailler et. En tant qu'animateur bibliothèque. Alors, c'était intéressant comme parcours parce que je suis sorti de l'université comme comptable et puis le premier travail, moi, c'est classer livres. Comme si deux bails différents, oui. Il y en a à droite. Mais en fait, qui pour moi-même, c'est. Qui était pour moi-même une belle porte qui l'ouvrit, ouais, parce que c'est une belle porte qui l'ouvrit vers connaissance, parce qu'on travaille en bibliothèque. C'est une belle porte qui l'ouvrit tout pour rencontrer du monde. Donc, moi, rencontrer un pile auteur, moi, rencontrer un pile artiste. Donc, comme moi, travaille dans le milieu de bibliothèque, un pile jeune, tout, moi, rencontrer un pile jeune. Donc, c'est là que j'ai commencé et premier petit travail, moi, en dans focal. Et c'est Bibliothèque Monique Caric, j'ai commencé en tant qu'animateur bibliothèque. Donc, ça a fait, après ça, petite promotion et je suis responsable justement et American Corner qui en fait son centre de documentation et bon sous culture américaine mais en même temps c'était intéressant parce qu'en fait c'était partie de son logique de dialogue entre culture haïtienne et culture américaine donc moi créer ce centre là ça veut dire que je me créer ça veut dire que il commençait avec moi en de focal qui existait toujours, toujours? D'ailleurs après ça moi je viens quitter
et American Corner, moi le manager culturel en dedans institut haïtien américain. Donc font une transition chut. Et puis tout de suite après, moi viens tomber qu'on y a le ministère de la culture, moi créé association pas moins, m'a fait festival conte, m'a fait festival musique traditionnelle et puis tout de suite récemment, bon, me dit bon, comme moi dans le domaine ça, autant que moi perfectionner, mais puis me font master en master 2 en management des organisations culturelles. Donc voilà, c'est wow. Ça l'ennemi tout petit. Waouh. Mes parcours Alain B et ça qui est important et que je voulais souligner bah jeune qui là surtout c'est progression qui fait là et c'est le fait que par exemple ou t'es étudié non bagaille mais l'esprit ou t'es tellement ouvert que premier petit job à non bagaille qui totalement parce que en même temps peut-être que me passer moi-même des une certaine curiosité moi-même de voir tout petit parce que on commence à faire théâtre tout petit hein. Parce que c'est une bagaille peut-être qui pas existé, peut-être qu'on y a là dans plusieurs écoles, côté Timonio pas gain on l'autre des activités extrascolaires qui capable permettre qu'au moins yo joindre découvrir des talents. Donc moi-même dans l'école, moi j'ai gain chance et entrer dans la troupe de théâtre. Avant de rentrer dans la troupe de théâtre, je me conduis la fanfare. Ça, il dit son nègre qui est de qu'on a joué enterrement, ou a poussé vent, pam, toute la Sainte-Journée, et puis après, fait théâtre. Donc, du coup, je me suis ouvert vraiment à monde culturel. Donc, je me suis traité seulement à l'école, je suis juste à l'école, et puis après ça, rentrer la caille, je étudier, et puis je me suis dans l'école. Donc, je me suis toujours moins ouvert à de l'autre bagaille, apprendre de l'autre bagaille. Ouais. Donc, qui ce soit fanfare, qui ce soit fait théâtre, qui ce soit même crié à ses un petit association culturelle entre les amis l'école ouais permettre que l'autre jeune qui pas au moins gain d'espace de performance bah au espace de performance moi même tout me déconne chanter l'aime dou ça yo courir de me faire concert chanteur à me chanter regardez allez lead ou t'es ou bien dans moi chanter dou lead non bat dans chorale lead avec zanmi nous faire petit groupe alors moi vim ça fait bruit parce que c'est intéressant de parler de souvenirs d'enfance comme ça. Et puis, je me rappelle, moi-même, avec mes amis, moi, journaliste, là, nous créons un petit groupe qui était les deux Dreamers, ouais, les Rivers. Et puis, nous faisons un petit groupe là, à jouer parce que je suis sorti au CAI, ouais, dans une petite ville, au CAI même, me lever. Et puis, il y a une audiovision qui était espace côté, qui était fait cinéma, on entend ça. Mais, au décal, faire de concert. Donc, dès qu'on a l'audiovision, alors nous louer l'audiovision parce que nous voulons faire un concert. Donc, et puis, mal fait qu'on a fait concert, là, nous payer. Et puis, c'était 10 goûts d'entrée à l'époque, ça. Bon, c'est pas trop longtemps quand même. Hein. Et puis. Parce que vous n'avez pas dit trop de monde, ouais. Et puis, alors la blague, c'est que l'un gars de l'homme qui est dans sa lieu, il y avait ma cousine, il y avait mes soeurs, tu as des amis, Réginal, tout, tu as des familles Réginal. Et puis, donc, tu as à peu près. On sert à 8 personnes, qu'on ne sert pas à 8 personnes. Problème. Donc, nouveau problème, nous n'avons pas une génératrice qui n'a pas fonctionné. Gen problème et pas de courant, pas de musicien pas venu. Donc, ça nous fait obliger à chaque petit poule nous derrière l'emporte. Nous sauver, nous quitter mon. Alors, c'est une belle aventure comme ça qui peut être poussée, peut-être qu'on est rentré dans l'organisation même, qui ça s'appelle organiser un événement. Et qui poussait, je dis à là, c'est on fait spécialisation moins ou elle en ça. Oui. Donc voilà. Moi, mais râler, hein. Bien intéressant. Ça nous est, hein? Allez, puis on prend, on s'y pose, tout coup. Yes. Et puis on tourne. Vous d'accord? Avec plaisir. Redbrancher Millennial. Jeudi, c'est vendredi, évidemment, et c'est dernière émission saison 1, malheureusement. Alain B? Malheureusement, hein? Malheureusement. Mais on profite, hein? On profite? Oui. Eh bien, nous allons continuer à parler, oui? Continuer. Nous allons parler Kounien des jeudis de l'or contemporain. Parce que avant pause là, nous font belle râlée sur qui est Alain B. Qui j'en ai commencé, passion pour le domaine culturel. Kounien, nous connaissons que les jeudis de l'art contemporain. Qui s'allie tout d'abord? Alors, les jeudis de l'art contemporain, c'est une activité que l'ensemble des associations mettent sous pied, c'est-à-dire trois associations
qui c'est association PAMD, qui c'est Acoustic Production, qui est collectif pour l'art urbain et l'art contemporain, qui est là dans tout, et puis collectif 509. Donc nous trois, nous mettons ensemble parce que en fait, nous dit faut nous répondre à un problème qui vient de ça. Un, bon, c'est pas un problème, plusieurs problèmes. Déjà par rapport à l'art contemporain, premier, c'est le fait qu'en fait, un problème de accessibilité par rapport à l'art contemporain. Donc, on a l'impression que l'art contemporain, ici, en pays d'Haïti, le fait pour un petit groupe monde. Donc, nous voulons au moins créer un espace qui est capable de permettre gagner une majorité de monde qui vient gagner accès à l'art contemporain. Et deuxième objectif que nous avons besoin de répondre à ça, en fait, c'est créer un espace de dialogue, de discussion entre les acteurs et opérateurs qui sont dans le secteur art contemporain. Donc, c'est pour ça que nous créons chaque dernier jeudi du mois espace ça, qui sont espaces de discussion, de rencontre, de dialogue et de performance. Côté nous inviter à la fois soit des artistes, soit des opérateurs culturels, à savoir soit des galeristes, soit des institutions, associations qui sont dans le secteur ça, vini. Non seulement parler de travail, mais aussi parler de sujets d'art contemporain. Par exemple, parler de marché contemporain, parler de artistes, évolution et secteur, parler de comment au moins gagner de retombées économiques, comment artistes en Haïti sont capables de positionner tout déjà par rapport à Caraïbes, après ça par rapport à Europe, par rapport aux États-Unis, comment évolution ici en Haïti. Donc en fait, c'est pour ça que nous créons espace ça, qui c'est en fait les jeudis de l'art contemporain. Mais en fait, jeudi de l'art contemporain, c'est non-activité que nous les jeudis de l'art contemporain, c'est non. Hein? Mais qui boit les fêtes? Alors, les jeudis de l'art contemporain, au départ, tu es supposé faire dans la maison du fort qui s'en fait ton kite gingerbread qui renouvelé complètement, réhabilité complètement par focal. Et qui en fait a des difficultés liées parce que la maison du fort n'a pas ouvert. Donc nous avons en fait rapatrié l'activité ça dans la ville à Calais qui fait là dans Pétionville. Là. Mm-hmm. Côté qui c'est espace d'exposition, association culturelle qui est collectif 509, ils ont même fait activité. Mm-hmm. Comme collectif 509 partenaire dans l'organisation les jeudis de l'art contemporain. Donc, il était important pour nous aller dans un espace qui n'est pas côté de nous, que nous ne pouvons pas utiliser et qui est accessible à tout le monde. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que nous arrivons, nous sommes en dehors de la maison du fort, mais en fait dans Calais-Ouest, dans la ville à Calais-Ouest, côté nous fait chaque dernier jeudi du mois, rencontre ça, et puis qui vient gagner des performances d'artistes qui passent tout. Qui feedback vous avez sur l'activité jusqu'à présent, sur l'activité? Parce que nous supposons qu'on ensemble de. Jeudi d'art contemporain qui est en. Donc là nous avons la troisième édition nous, sur les jeudis de l'art contemporain et à ce qu'il paraît là, toujours un petit genre très positif en termes de feedback. Mais quand il y a là, ça qui est intéressant maintenant, quand l'on fait trois éditions, l'on activité comme ça, côté pas gagner en pile ressources humaines ici en Haïti, ça m'a dit en fait pour aller ressourcer ailleurs. C'est-à-dire que pour garder qui est-ce qui a passé dans l'entour, nous, qui est-ce artiste qui a passé ou bien institution qui est à l'entour, soit. Guadeloupe, Martinique, République Dominicaine, Miami, ouais. On peut regarder qui j'en café au vini. Et puis l'autre bail là tout c'est que tout le monde a dit ah oui, pour que ça les jeudi fête mon dernier jour jeudi, pour que ça pas fait chaque jeudi, faut le faire chaque jeudi, mais en fait ça que mon yo pas connaît dès chaque jeudi ça il y a un maximum de logistique et dès chaque jeudi ça il y a tout un travail tout scientifique qui fait parce qu'en fait il faut penser par rapport à genre un sujet pour discuter sur l'art contemporain et c'est qu'on pas qu'à chaque jeudi, c'est-à-dire 4 non mois, pour épuiser un paquet de sujets et pas forcément qu'il y a un pile monde ici qui est capable au moins mener débat. Bah dit pas gain là il existe. Donc c'est pour être ça en fait que nous ouvert espace nous qui c'est page Facebook nous qui c'est les jeudis de l'art contemporain à tout le monde qui au moins qui est intéressé participer avec nous dans l'émission ça pour capable au moins venir proposer que de sujets de débat et proposer tête que tout pour venir parler si au bon bagaille envie dit là les jeudis de l'art contemporain. Donc c'est ça mais en termes de feedback j'aime dire là pour me tourner positif. Parfait. Positif positif. N'a prend et premier question nous Alain Bi. Alors bon monde sporadiquement dans le public là. Okay. Qui est en levé mail? D'accord. Qui dit question. On a pris une question, on a pris une première question. Hein? Oui, vas-y. Bonsoir. Nous remercions de ce que vous êtes là. Vous avez partagé.
parler ça ensemble. Ah bon, vous aimez aller. Question pendant, c'est que c'est l'ordi où tu es dans l'université ou fait comptabilité. C'est ta toujours une fierté d'avoir le travail en tant que comptable dans un bureau, tout ça avec la tête haute. Et que vous venez travailler en tant que classeur de livres dans une bibliothèque. Qui gens ou tu concevoir ça et qui façon ou même ou tu assumer ça? Dans le sens, les gens ont mauvaises idées qui viennent, les gens ont découragement qui viennent, comment tu assumer ça? Ah non, merci. Merci pour la question. Alors, je réponds tout de suite? Oh oui, vas-y. Ah, okay. Ah non. Peut-être que nous prenons ça de manière péjorative. Alors, travailler dans une bibliothèque, pour moi-même, je me dis classer le livre, je devais expliquer qu'en fait, qui ça. Mais ce n'est pas que classer le livre, en fait. Je suis animateur dans une bibliothèque. Animateur, ça veut dire un technicien bibliothécaire. Donc, il y a des gens qui fait peut-être même travail avec qui dit que c'est des bibliothécaires. Moi-même, quand ça veut dire un bibliothécaire, moi-même, je vais dire que c'est bibliothécaire. Parce que ça demande beaucoup, je faut pour une maîtrise, pour une bibliothécaire, c'est très compliqué. Même tu es animateur bibliothèque. Mais, sorti de l'université en tant que comptable, avec une licence de comptabilité, pas pour moi-même. Bon, il y a des gens qui eux-mêmes sont fiers pour les comptables. Peut-être que eux-mêmes ont un métier qui sont comptables. Moi-même, je n'ai pas une tête de comptable. et voilà. Donc, du coup, moi-même, j'étais beaucoup plus branché vers ça. Ouais. Comme c'était un espace pour moi-même qui était beaucoup plus intéressant, parce qu'en fait, un espace côté entouré de livres. Parce que c'est intéressant, parce que ça, pour moi, ça pour moi connaît c'est que l'on a un espace côté qui a pile livre ouais non seulement que on pas besoin de voyager pour qu'on ça cap passer dans le monde c'est que on a un espace qui est plus riche qui te ca gagner ouais et dit on apprendre et ça c'est des bagages qui est plus important pour moi donc vraiment c'est des bagages qui est plus important pour moi même que mon espace côté ouais m'entourer de livres m'cali sur histoire m'cali sur géographie m'cali sur n'importe qui sujet m'cali sur cuisine m'cali aime lire en pile ouais et en plus de ça comme côté m'd'ap travail en fait à l'époque ça c'était Focal et Focal son espace en fait qui ouvert beaucoup à la culture à l'éducation au partage. Donc, c'était une générosité par rapport à des artistes qui t'ont passé, par rapport à des écrivains qui t'ont passé. Et pour moi-même, c'est un honneur pour moi-même que je suis capable de rencontrer des écrivains tant que Daniel Laferrière, que je suis capable de rencontrer des écrivains tant que Lionel Trouillot, que je suis capable de rencontrer des écrivains tant que Emily Prophète, tant que Jean-Yves Felmy, c'est ou bien. Comme si ça, pour moi-même, ça n'a pas un prix. Et si je vivais dans des espaces que je n'ai pas, moi-même, d'après dans un bureau, à compter des. Ouais. Donc, je pense que. Et ça, en termes de métier, c'était plus vivant pour moi-même. Parce que normal, qu'on connaît, c'est qu'en Haïti, c'est que quand tu vas à l'université, ou aller à l'université, ou dire, bon, je vais à l'université parce qu'effectivement, que tu as envie de. Ou envie de travail, par exemple. Ou besoin de bagaille que pour faire joindre travail. Donc, comptabilité, pour moi-même, c'était peut-être le métier que je faisais ici pour obtenir un job quand même. Même si je ne suis pas chef comptable, je suis classeur, je suis entré, comment il est donné, teneur de livre. Ouais. Teneur de livre quand même. Ouais. Mais moi, j'ai une bonne chance. Ce que je me sauve, c'est que ça me fait faire l'envie, c'était toujours faire des activités culturelles. Et que non seulement moi fais des activités culturelles, je crée une association, je crée un festival contre musique et jeux traditionnels dans le sud. Moi créé avec des amis dans l'association ça et artistes là qui sont visibles des Kai Gingerbread dans Port-au-Prince côté des artistes qui a performé nous créé et les jeudis de l'art contemporain nous créé et avec des artistes qu'on a l'aime tourner là nous créons l'autre mouvement peut-être suivre ou pas rappelons qui c'est nous prend la ria oui, extraordinaire oui. Pour moi même qui oui. C'est fait toute essence que qui fait me sentir fier avec oui. Des amis que n'a créé un mouvement dans le quartier populaire pour dénicher des artistes qui ont talent. Donc ça, pour moi-même, c'est des choses qui sont plus vivantes que tu as fait pour un secteur comme ça. Puis on va mourir dans un bureau, voilà. Deuxième question. Merci. Bonsoir. 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 Okay. Bonsoir. Monsieur Augustin, merci parce que vous êtes présent. Pas un problème. Ok, parmi nous, je dis à. Question par moi, il y a plusieurs volets. Première question, c'est que, où est un programme, si c'est art contemporain? Mais maintenant, quelle structure qui mettait en place pour que jeunes ou même capables de gagner information sur art contemporain qu'on mettait sous pied dans la société? Et puis, deuxième question, où dit comme ça que, où aller, pas finir rappeler non, vraiment bien, que ce que tu dis là,
dans notre cité pour aller chercher les gens. Parce que les gens qui ont un homme, on parle de jeunes qui ont un talent. Mais maintenant, qui processus lié exactement et qui bon ou voulez aboutir à jeune ça yo que ou même ou mettez en vigueur yo, c'est question ça pour alors pour première question c'était en fait par rapport à les jeudis de l'art contemporain qui ça nous mettait pour jeunes yo capable. Même gomba me trouver ici et émission ça ou va dire pour ça moi émission ça lui permet que au moins jeunes yo travail curiosité. Ouais. Ici me trouver que nous manquer curieux. Par exemple les gens disent de leur contemporain exister tout bas exister sur internet là par exemple. Non oui, là me sur internet là ça veut dire que effectivement nous update et page Facebook nous tout bas là gain article qui sorti mon app suivre. Ouais. Mais écoute bien là, lorsqu'on a fait de événements comme ça, qui c'est les jeudis de l'art contemporain, qu'on est supposé travailler avec déjà qui format on est supposé faire et jeudi, hein, qui monde qui est supposé intervenir, qui sujet on est supposé prendre, et pour garder tout aspect logistique pour faire là. Donc maintenant, public là supposé au moins pour son une certaine curiosité. Ou pas forcément, moi-même logiquement, ou pas forcément à derrière. Parce que sans gagner, ou mettez accessibilité, c'est que l'information est accessible à tout le monde. Mais pour nous, si jeune yo pas monté de curiosité pour aller connaître ce qu'a fait dans le pays, qu'on paquet de bagages qu'a fait dans le pays. Donc, faut au moins nous dire, OK, je dis ça, semaine ça, bon prendre pour mal connaître qui ça qu'a fait dans tel domaine. C'est vrai, peut-être que y a des gens qui disent pas même connaître ça en contemporain. OK. Nous pas de problème. Oui. Mais si au moins nous prenons le soin et dit nous allons gagner livre par semaine pour nous lire parce que au moins nous le mon bagage qui sorti déjà sur ça et ça nous allons dictionnaire nous garder côté et puis nous garder même par rapport à Haïti côté situation qui ça qu'a fait dans domaine ça. C'est ça me le dit par rapport à curiosité. Donc faut que nous travaillons curiosité. On pas dire oui ici mais on pas d'accord parce que moi effectivement sur internet là les bons bagages qui sorti qui fait rire. Ou par exemple, si on a quelques artistes qui en couple qui fait buzz, ou une quantité de monde par exemple qui soit là, qui partage, ça veut dire que la curiosité nous peut être poussée vers un type de bagage. Tout parce à que fait. Nous moins font balancer li. Parce que il y a des alternatives qui existent et alternatives ça, il faut nous chercher contre qui ça oui, si vraiment que n'a chercher de l'autre bagage de ça qui est plus facile, qui est accessible à nous-mêmes. C'est ça me t'a bon comme réponse par rapport à ça. Deuxième question posée maintenant, c'est par rapport à nous prendre la RIA des artistes que en fait qui sont morts. Alors nous prenons la RIA, c'est un mouvement artistique et social qui créé avec des amis qui en fait habitués travail ouais dans quartier défavorisé. Ou bien même pas utiliser mon quartier défavorisé, mais préférer dire de quartier populaire. Donc dans quartier populaire ça, qu'est-ce ça nous fait en fait? Nous dit alors ici en Haïti, c'est très bizarre parce que à la fois que c'est très facile pour les gens de reconnaître talent, c'est très difficile tout, même si on a de talent, pour les gens dire « Ok, ouais, monsieur, il y a talent, moi-même, je prends le moins, mettez-le sur vous. » Donc, nous disons, vu que y a un pile problème qui est en Haïti par rapport à le type de monde qui est de milieu, ça, qui n'est pas forcément de milieu, par exemple, qui est dans le secteur culturel là, qui est très fermé, hein, parce que c'est un secteur qui est très cloisonné. Donc, nous disons que nous allons essayer non seulement porter activité dans le quartier ça yo, mais permettre tout que moun ça yo offrir à de l'autre public qui ça yo même yo connait faire. Donc nous organiser de foires, nous organiser de visites guidées et nous organiser tout de publicité pour moun ça. Ça veut dire nous faire de vidéos côté nous mettre sur deux pages Facebook permettre que au moins gon bay qui présenter artiste ça yo. Donc nous pas dire que ça va au moins permettre que tout de suite des retombées économiques qui fait parce que moi-même je pense que moi-même bah on est qui croit en facilité et on bah qui fait trop vite moi-même moi croit en construction et c'est ça peut-être que ici en Haïti que nous gagnons comme pratique c'est construire de bagages sur le long terme et ça n'apprend avec nous prend la RIA c'est permettre que au moins un mouvement cap construit et mouvement ça peut être capable de changer même toute une communauté on ne sait pas. Mais il y a tout un processus qui a fait au moins pour au moins travailler sur l'artiste. Côté artiste, il y a même de leader dans la zone. Et puisque vous venez de leader dans la zone, vous avez dicté maintenant de façon de fonctionner, de façon de vivre. Et ça, ce n'est pas une année, une deux années, une trois années, ça c'est cinq ans.
passé 10 ans et ça c'est de la patience et c'est ça me gagne. Donc c'est dans ce sens ça me travaille. Net, oui? Non, ben trop grand goût parce que comment. On met bail dans la rue. On met bail dans la rue. Je fais pas moins deal, donc, c'est un deal. Ouais, mais c'est super intéressant parce que au même temps dans ma vie ouais, ou même tout oui. Parce que ouais, j'en campé là à côté dans là avec toute une beauté très naturelle parce que moi connais ça. Ouais. Merci. Donc qui sublime maquillage lui, donc donc ça c'est la blague. Donc non vraiment hein, c'est un plaisir pour moi-même. Donc je pense que le combat qui là qui en fait t'as qu'à peut-être dupliquer en d'un pays. Et c'est dommage que des émissions comme ça qui a peut-être très structurées, qui m'a des côtés géniaux, poser des questions impliquées, étendées, pas accessibles à tout un pays. Parce que moi-même si on n'a pas qui dérange dans le pays, ça on a l'impression que il y a le pays d'Haïti qui c'est Port-au-Prince et puis au gain un paquet d'autres pays encore qui existaient côté tout le monde bagay même accès à même type d'information, tout le monde bagay même accès à même type de culture, tout le monde bagay même accès à même type d'éducation. On pense la ça, République de Port-au-Prince. La République de Port-au-Prince oui. Et ça c'est un bagay parce que faut ta suspendre. Et si le type d'émission comme ça même si c'est pas qu'à dupliquer, impliquer jeunes, yo, faire donc l'autre type de citoyen haïtien qui vivant, qui capable de parler, qui capable de poser des questions, qui capable de tout. Dire au même ouais, yo existé et yo gen mo yo bio dit tout. En fait, merci Jana. Merci. Allez. Merci Angel. Moi c'est que direction télévision on prend note et c'est juste première saison nous, Millennials sont petits bébés jusqu'à présent. Moi c'est des monde tant qui gen des expériences déjà et encouragement public là à permettre que prochaine saison hein, nous font pas en plus, nous font pas en plus jusqu'à ce que pourquoi pas on saison nous fait millénial nous l'autre ville de province. Bon c'est une rêve nous hein. Nous capelle. Nous capelle. Merci encore une fois à Alimbi pour sauter là. Salutations à Elisabeth. On connait va regarder Elisabeth. Hi. Et puis millénial c'est Caillou. Merci. Je voulais que vous continuez à l'aise, j'en déjà à l'aise à soir. Et puis, porte nous ouvrir pour n'importe qui annonce qu'on a gagné, n'importe qui gens que nous a aidé au millénaire toujours là. Merci. Merci en pile. Allez. All right. Yes. Good. Allez. Tourner avec deuxième invité nous, c'est un monde qui fait peinture. Lire les Charlie Charles. M'pas connait nous même aimer Jean Sonner. Nous pas aimer Charlie. Charles. Mais son bail qui mandé pour faire exercice oui à Boucho. Et Johansson dans régime de dit mais oui Johansson son bail qui mandé pour faire exercice avec muscle Boucho. Donc n'a ouais dit avec Charlie Charles. Je suis contente que chaque femme j'ai une opportunité pour nous parler, pour nous faire parler ensemble et qui est souvent très intéressant. Souvent, très intéressant. Mm-hmm. Dis-nous, dis-moi qui a regardé, qui est-ce qui Charlie Charles? Est-ce que vous voulez ouvrir l'eau sur le nom Charlie Charles seulement? Bon, en réalité, le bon nom c'est Regina Charles, mais. Si ou non, c'est Charlie, parce que nous connaissons tout le monde en Haïti, on dit non. Oui, tout le monde on dit non. Pamela, c'est Charlie. Oui, c'est ça, oui. Qui est souillé? Et avant tout, son maman, et son artiste peintre, moi, j'ai gagné un diplôme de designer et ma troisième année sur juridique. Wow! Et je suis formatrice dans la Coupou. Aha! Et. Ça, bon, en fait, mon maman, ça plus spécial pour moi, mon bel petit garçon qui a 11 ans, et m'a fait coucou pour lui, qui c'est Maxime.
Vous avez un monde là, ou bien deux monde là, leur dit un petit garçon, et vous dites qu'il a 11 ans, et vous avez dit, est-ce que vous avez un petit garçon? Je pense que la passion est sortie. Je vais continuer ça. Je vais parler de petit garçon, l'amour qui est sorti. Oh, yes. Mais comment on fait pour alterner tout ça? On parle de formatrice dans la coupe. Maman, c'est peut-être un autre job qui est difficile. Pas difficile, mais qui m'a dit en pile. Et comment on fait? C'est que je suis agencé et surtout. Le map sorti, il comprend tout le bagage. Et mon petit qui est très responsable. Très responsable, son chance que je gagne. Mon petit monde qui est très responsable à son âge. Que je n'ai pas besoin d'inquiéter de ça la fait ou pas, de voir ou pas. Le montrer, je vais vérifier si tout le bagage ok. Mais d'autres que je connais que la faille à responsabilité, là, je gagne. Wow! Donc, il est à l'âge ça, il est en prenant responsabilité. Exactement, à son âge. Et probablement, il connaît tout. Chaque action qu'il fait a une répercussion. Exactement. Wow! Oui. C'est bien! Parlez-nous de travail dans Akoukou. Travail dans Akoukou, c'est en tant que formatrice. D'abord, qui est Akoukou? Il y a pour moi qui parle. Akoukou, c'est une association qui travaille sur les droits humains, sur les droits humains. Et qui a fait des travaux qui sont extraordinaires, surtout dans la tolérance. Et la tolérance, moun ak moun, et nous connaissons le côté pile moun, supposé que la tolérance est très important. Parce que nous tous ne partageons pas les mêmes intérêts, nous ne partageons même la culture différente. Donc, pas de culture différente, mais religion, ou bien quand même, qui sépare nous. Donc, la tolérance est supposée réunir nous. Et c'est ça un coup pour nous. Et puis, le travail, moi, c'est former, faire des séances de formation pour essayer de dire mon yo, comme si à essayer de mettre dans des cadres qui bien comme si comme qu'a dit ça et pour nous apprendre à tolérer, partager des expériences avec eux et surtout dernière fois nous avons fait une séance qui était extraordinaire dans le centre d'or. Côté, nous avons développé un pile de bagages par les deux spirales d'apprentissage qui est extraordinaire. Donc, invitez-nous tout le monde qui n'est pas là et qui a regardé nous tous sur Facebook, à la page à Koukou, concernant l'heure de gain aux chaînes de séances qui n'a pas participé avec nous. C'est dommage que pas un tableau là. Oui, c'est parce que peinture qu'on fait, yo, je ne sais pas si je voulais mettre des mots pour décrire, mais il y a des choses qui marchent ensemble. Le mot, peinture que Charles signe en bas. Méthode de travail, par exemple, dans la peinture, si ça lié. C'est avant tout, c'est moi-même, toujours mettre comme si la femme en évidence, comme si la femme dans tout aspect, dans tout problème que l'on a rencontré, dans tout lui-même. Parce que je peins de filles en pile, parce que je retrouve dans chaque grain de tableau que je fais, je retrouve la donne. Et surtout, je suis toujours prôné beauté. Parce que pour moi, beauté, c'est un bagage. Et pas ça, mon ouais, là. Et pas comme si c'est pas un crayon souci, c'est pas un rouge à lèvres, c'est pas un habillement. Pour moi, beauté, aller plus loin toujours. Donc, c'est ça, l'homme font tableau. Donc, on toujours essayer et wifi dans l'autre dimension qui allait plus loin que ça on peut imaginer comme si stéréotype que ben nous deux filles faut des cheveux permanents parce que moi-même si moi ces cheveux crépus là très aime quand rappeler combien de tableaux que me fait qu'on pas dit un seul que me fait cheveux. Je veux lisser. Lisser, même pas gagner contre cheveux lisser, pas gagner contre lui. Mais sauf que je retrouve même pas dans un sac pour moi, je retrouve la donne, mais pas gagner contre cheveux lisser. Et une peine fille comme ça, et. C'est toujours très important pour moi, Jana, comme si le même gars une fille, surtout le m'a passé dans le marché. Bon, par exemple, pour le comme si je regarde des filles, je regarde des courageux, je regarde des gens en plein soleil, moi-même, je marche dans le soleil ou bien je visite comme si on visite un bon soleil, je courir, je dis oh, chaleur. Et puis, je passe sous route pour me regarder, je regarde au cap, rire en plus.
ça en fait, il pas fait non, il pas fait et sans Paris. Il y a pris entre eux donc pour moi ça c'est beauté. Pour moi ça son beauté, c'est pas on pas chercher beauté dans télévision, pour moi c'est là son beauté, m'a regardé yo gens yo hein avec visage yo. Ça bon m'inspiration, m'inspirer de ça et m'inspirer de moi-même tout. M'inspirer de moi-même tout qui c'est à mon âge, mais pas moi de mon âge là s'il vous plaît, qui sont maman de un petit garçon de 11 ans donc et une inspiration tête moi et puis mesdames, yo tous inspiration. Waouh, waouh, waouh. Et qui je ça a commencé parce que des fois qu'on gay on va qui déclencher on bagaille ca monde. Des fois son expérience. On rêve n'importe qui bagaille qu'on on déclic qui fait à partir de on expérience ou de bagaille. Est-ce que histoire avec peinture, c'est comme ça que tu as commencé? Oui, son déclic. Histoire avec peinture a commencé en 2010, une année qui était malheureusement triste pour tout Haïtien, pour Haïti. Et puis ça a commencé en 2010 avec un ménage que moi j'ai gagné à l'époque, qui les mêmes tous sont peintres. Et nous devons passer plus en pile de temps ensemble. Nous passons plus de temps la Kaili que la Kaipam. Que m'a salué tout, si vous pouvez mettre moi Diana qui c'est Pierre Richard, vous dites à qui je dois en pile tout, je dois en pile respect. Nous passons plus de temps ensemble, nous passons tout le temps, nous avons toujours fait peinture. Mais on toujours corrigé, toujours dit pourquoi tu n'as pas fait ça, pourquoi tu as été de telle couleur. Et puis on a dit bon, ok, bon, tiens. Il dit pas de me fâcher. Il dit non, je ne suis pas fâché, mais essayez. Oui. Et puis, sans réfléchir, m'essayer. Et puis, c'est comme si c'est ce qu'il me fallait. Comme si c'est ça le déclic. Là. À partir de là, je suis sorti de la Cali avec une toile. Une toile, je suis allé à moi, je prends peinture. Là, je suis demain, je retourne à la Cali. Et puis, il dit waouh, Natisha. En fait, il m'appelait Natisha. Il dit Natisha, ou tu es bon. Je dis, ou sérieux? Il dit oui, continue. Et puis c'est là, on continue. Et puis, oui, ça va, c'est là que ça va commencer. Donc ça fait à peu près 6 ans. 6 ans, même commencer. On prend le temps pour son métier à partir de 2015. Ah, waouh! Donc, pour dire ça que. Bah, on est pour sortir hésité. Est-ce que c'est parce que tu pensais ah peinture, pas d'avenir et son bail peut-être beaucoup fin trop bon là-dedans ou bien t'es juste senti que moment pour corriger. Gain ça tout parce que on y est là dans un moment qui est tellement difficile. Si on parent surtout a bien métier pour choisir pour petite lui, pas choisir peinture, lui pas choisir artiste, pas du tout. On doute fort. Parce que j'ai un moment difficile là, tout le monde dit que mon fin d'école, parents ouais c'est pour la licence comptable, pour son économiste, pour tout l'autre bagaille, mais pas peintre, parce que il y a aussi gens, il y a ces aspects comme l'un que ouais. Et moi-même, j'ai décidé en 2015 pour me faire tant que son métier pour moi. Parce que avec toute passion que m'a metté la donne m'a fait me dit mais pour qui ça me va faire tant que ce métier pour m'entrer comme pour me vivre de lui me dit trouver le très nécessaire mais avant pour me dire Diana c'était apprendre diplomatie mais ça n'a jamais été comme si m'a pas vraiment retrouvé la donne pas vraiment retrouvé la donne et donc l'homme vient découvrir, m'a découvert peinture, m'a découvert tout. Ah, qui n'a moi-même là, me dit ok, c'est là ma place. Donc voilà, donc c'est pour me faire un demi-tième pour me vivre de lui. Wow. Même peut-être que c'est moi qui viens de penser à un autre bail, me confondre. Avant, j'ai l'impression qu'on fait couture. Oui, un bon diplôme en designer exactement que je suis pris en Verona. Et oui, un designer me fait rad. Je fais rad pour moi, je fais rad pour les amis. Et je fais des clutches tout. Et je travaille sur le projet pour me travailler, pour me faire de designer en métier pas tout. Oui. Au fond. Oui. Ah, cher.
Why not? Why not? Même d'accord, il m'a toujours à pousser, c'est que talent là. Et peut-être que c'était pour le mieux côté ton, par contre, si nous d'accord, jusqu'à 2015 là. Genre, moi, je vais utiliser à consommer. Donc, je vais être bien consommé. Je vais être que c'est ça que je voulais faire parce que je suis dans l'émission et il y a deux semaines de ça, je suis avec Jeyna qui était là. Des fois, je suis commencé à bagarre son coup de tête. Mais il va faire une chital pour qu'on retrouve là-dedans. Et puis n'importe qui vent fait que lui décourager. Voilà. Li, donc ma chère même. Avant ma marcher. N'a pas pose là parce que gain question pour madame Charlie Charles. Alors moi mes Charlie Charles moi c'est Mélidiana Charles. Donc on va comprendre ça. N'a pas tout de suite rester branché Mélidial. Pas changer chaîne. Branché Télépacifique, merci parce qu'on toujours branché Millénial. Dernier invité nous pour saison enquête, je vais vous dire comme ça, non, mais c'est ça lié. C'est artiste, peintre, Charlie Charles. Nous connaissons une question pour vous, oui, Charlie. Qu'est-ce qu'a posé la première question? Vous voulez poser? Ah, vous m'écoltez déjà. Et Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Et non, pas monsieur Rothschild, moi, c'est étudiante dans journaliste à l'ISNAC. Et... compliment, félicitations. Oui, intéressant. Merci. Et ma dit merci avec madame Charlie. Et moi, question pour c'est que moi, t'as aimé qu'on a à quel âge commencé à faire peinture, c'est quoi, peinture, c'est ça? Et en plus, moi, t'as aimé qu'on a quelle inspiration leur a fait un tableau, tout ça. Merci. Merci. Intelligent parce que au début il dit nous pas l'argent mais le père bail lui quand même. Très intelligent de ta part, Chérie. En tout cas, moi commencé c'est à mes 21 ans. 21 ans. Commencé exactement. 21 ans. Wow. OK, mais il parle de l'autre aspect, oui, qui ça qui inspiré ou inspiration, inspiration, oui, inspiration c'est nous, c'est mon temps pour nous qui à l'école, c'est fille, c'est la vie en tout cas. Parce que même je dis femme, c'est la vie. Ma machine logique femme, c'est pour ton parce que pour ton elle est pour côté toute bagarre, pour côté sous lit. Mais l'inspiration, c'est fille. C'est un engouement pour la vie. C'est malgré tout, j'en ai continué, malgré tout bagarre, toute la calamité, tout ça au cas où je mettais sous dos, nous. C'est nous. Inspiration, c'est vous. Qui est-ce qui a parlé encore? Monsieur ça, oui? Encore? Bonsoir, oui? Qui j'en ai? Ou qui t'es, monsieur Menta? Ou by Millennial Vague, non? Ok. Oui, oui. En fait, bonsoir, madame Charlie. Bonsoir. Et madame Charles. Charlie, Charles. Madame Charlie et madame Charles. Charles, ouais. Ok. En fait, question pas maintenant, c'est que tout à l'heure, ou t'es évoqué mon bagage. Et logiquement, par haïtien, oui, par haïtien, il y a toujours un grand concept, une conception de tête. C'est que depuis que j'ai fini, et si j'ai fini, il faut qu'il apprenne des métiers d'un coup. Et agronome, bagage ça. Mais, ou même, ou fait peine, est-ce que, ou pas comme si, c'est vrai, ou est quoi blanc, mais ou même, est-ce que, ou pas, si vous commencez à 21 ans, ou son maman, tout ça, est-ce que vous pas chercher, ou pas gagner idée pour perfectionner non peinture là tant qu'à l'apprendre un côté normal parce que tant qu'on vient perfectionniste dans ça va faire oui. C'est tant qu'on vaut plus tant qu'on doit pas qu'on est à l'école Enax ou bien on l'autre côté qui baille hors là est-ce que ça a pas jamais évoqué dans l'esprit parce que automatiquement papa me toujours dit mon bagage automatiquement quand font bagage et soit faire ou bien faire pas gagner côtoyer ou pas chercher yeah. Merci. Merci. Oui, moi j'ai intention ça et mais à cause de faiblesse ou que t'as des difficultés que notre seule l'école 1 nous gagne cap traverser en Haïti donc ça ralentit
au début me pas vraiment gain temps pour me aller notes parce que t'as pas oublié que moi était en époque moi était CEDI moi t'as étudié diplomatie et CEDI sont les et notes sont l'école en plein temps bien que CEDI pas en plein temps donc il t'a manqué me temps kounya là vraiment disponible pour me joindre temps pour m'aller li pa li pou kouvè donc moi m'a profité tout de télévision pour me lancer un appel à dirigeant paysan pour culture nous parce que les triste pour seule l'école nationale or nous gain en Haïti pour se consolider donc et m'espérant année 2018 là pas prendre comme ça et moi gain espoir toujours moi gain espoir que ça va aller. Merci, oui, parce que tu es là. Tu es content avec vous. Merci à vous-même, parce que vous connaissez chaque fois que nous rencontrons, c'est des bagages extraordinaires. Tu es celle qui fait oui, merci à vous-même, Jana. Et je pense que c'est à continuer, Millennial doit continuer, parce que on émission pour jeunes comme ça, donc c'est libre de continuer. C'est important. Et nous avons fait tout possible, nous. Pour nous continuer, je me dis c'est la première saison seulement qui finit. Et janvier sous nous là bientôt, je dis à nous sommes 29, donc oui. Et dans deux jours, le 1er janvier, déjà je me dis tout le monde, hein? Bonne année, oui là. Bonne année, oui. Bonne année. Donc nous retourner, nous proposer merci vraiment pour ce côté-là. C'est moi et mes petits partages aujourd'hui depuis nous rencontrer. C'est toujours une belle conversation. Belle conversation, bien fluide, qui passait bien. Est-ce que nous t'es content, apprécié, madame? Ciao! Merci, Miss. J'espère que vous well. Encore dans les milléniaux. Je me dis, Alain Bic, tu es passé avant. Calan, c'est caillou. Oui. Vini, n'importe qui le. Porte la ouvert ou bien clair, si vous pas venu, nous pas responsable. Pas vrai? Nous pas responsable. Merci. À bientôt. Merci. Toujours branché Millennial, c'est dernière conclusion pour dernier Millennial saison 1. M'pa vle nous dit ah quoi Millennial a tourné non, n'a tourné d'ailleurs était deux jours pour 2018 là, rivé sous nous. Mais Millennial, c'est pas moi-même seulement, c'est peut-être moi-même nous devant écran et mais gain une équipe technique extraordinaire qui derrière. Y a travail là mais m'a fait venir quand même. Donc y a quitté caméra et régie monde qui dans réalisation, n'a quitté n'a venir joindre moi sur podium s'il vous plaît. Sous applaudissement public meilleur. Merci. Merci. Maquilleuse, moi. Merci. Merci. Nous, quand on est ici parler dans le courrier, c'est parce que vous continuez à travailler. Donc, sans vous, ça y est, pas ta gagne, Millennial. Gwenya, où est dans l'air? Merci quand même. Parce que vous connaissez Millennial, nous reconnaissons. Donc, tout le monde qui travaille pour Millennial, merci. Vous n'avez pas gardé en l'air. Donc, vous mettrez en l'air. Mais dans les coulisses, vous va montrer que c'est ma force. En tout cas, bon travail, monsieur. Si nous pas là, pas d'abdé Millennial. Qui est-ce que vous avez dit? Ah, bravo, vous avez dit. Non? Ok, ok. Merci tout le monde et c'est vraiment un plaisir pour me là pour me présenter nous Millennial pour saison ça. Première sortie Millennial, vraiment une expérience extraordinaire. Et dans deux jours, trois jours, 1er janvier. En tout cas, c'est fait. Fernanda, une est super branchée et Millennial. Je ne vais pas dire super branchée seulement parce que non seulement elle est là avec nous et puis après ça, elle a regardé nous dans la reprise. Fernanda! Qui est-ce que vous souhaitez? Tout bon bagay yo. Santé. Santé est important pile. Parce que de point santé, vous pouvez régler tout à fort. Ok? Je ne vais pas dire dollarité parce que bon. Hein? Je ne vais pas dire dollarité. Et puis, mon public qui est toujours là avec moi.
caméra sou yo de temps à autre même s'il sou moi tout donc m'a mandé yo vinn joine moi là parce que m'pa vle fini millénial pour comme parce que m'pa commencer pour comme réou met vini tout ré on oué vini joine moi vini faut nous fini faut nous ba écran on oué Anywhere. Qu'est-ce qu'a chita avec? Personne? OK. Merci en pile encore une fois. Merci pour fidélité à Millennial. Merci à Télépacifique, merci à toute direction, hein. Merci à public moyen. Hein. Moun sa yo c'est moun ki la depuis premier Millennial et qui toujours là, que gen la pluie, que gen vent. Merci. Bonne année tout le monde. Nous toujours dit et soyons c'est pour fêter tout avant, moi même pas veut faire souhait. Tout ça me veut dire c'est que continuer quitter lumière en dedans là, jaillir. Bonne nuit tout le monde, bon week-end et puis n'importe l'année prochaine. Vous êtes d'accord? Yes. Okay. Yes. Oui. Bonne année. Jeudi, c'est vendredi 29. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense qu'on parle de sortir de la micro.